Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyanskouvon. En dessous de cette vidéo, c'est tout, s'abonner, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer tout simplement la prochaine vidéo qui va sans doute être d'une grande utilité pour vous. Et si vous voulez faire des dons, en dessous de cette vidéo, c'est tout, toutes les informations qu'il vous faut pour faire des dons. Vous pouvez faire des dons par PayPal et ouais, c'est mignon. Merci les amis pour vos dons. Que Dieu vous bénisse. Wouh! Excellent. Mes frères et sœurs, il y a un truc qui m'a choqué. Et comme nous formons une famille, j'aimerais vous en parler pour que vous nous dites ce que vous en pensez aussi dans la partie commentaire. Et franchement, on vous attend. Vous savez que nous aimons tous des belles choses, n'est-ce pas? Oui, nous aimons les bonnes choses. De la manière nous aimons les belles choses, c'est de la même façon nous aimons qui? Les belles femmes. On aime les belles femmes. Pas dans le sens de se coucher avec elle, hein? Non. Dans le sens où on aime les belles femmes, les femmes bien habillées. Est-ce que vous voyez les jolies femmes là? Vous voyez, les femmes sont jolies, excellent. Voici que je suis tombé sur une vidéo de quelqu'un qui avec sa famille qui faisait des pranks. Vous voyez des vidéos de pranks, des blagues ou encore une femme piège son mari ou un homme piège sa femme. Genre pour voir sa réaction, c'est exactement ça. Et quand j'ai vu cette vidéo, j'étais tellement très content de voir des gens réagir comme ça, puisque j'aime beaucoup la réaction des Américains. Vu que ces gens, ce sont des Américains, j'étais content. Et du coup, j'ai commencé à aimer cette famille-là. Et la femme à ce monsieur, elle est vraiment très belle, la femme. Elle est une très belle femme. Et puis, bon, elle est bien. En tout cas, j'ai commencé à aimer la femme. Par son comportement. Mais au fur et à mesure que je regardais leur vidéo là, j'ai commencé à voir des trucs bizarres. C'est que ces gens là commençaient à faire des représentations des actes sexuels. C'est-à-dire des actions, peut-être des actions qui nous rappellent un peu l'acte sexuel. Est-ce que vous voyez? Et je dis, mais waouh, mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi font-ils comme ça? Au départ, on a dit, ah bon, peut-être c'est pour faire le buzz, pour faire une représentation réelle de la chose. Mais au fur et à mesure qu'on allait plus loin, que j'allais plus loin, j'ai commencé à découvrir que il y a quelque chose de grave qui a commencé à se mettre là. J'ai l'impression que ces gens-là, pour faire des vues, ils ont commencé à faire, à se montrer un peu la partie intime pour essayer d'attirer. Ou un peu de quoi on parle, un peu genre comme dans les clips du monde où on voit les femmes qui sont célibes, qui dansent, genre comme si elles sont dans une boîte de nuit nulle. C'est exactement ça. Mais j'ai dit que bon, on va les suivre pour voir ce qui va se passer par la suite. C'est ça. Il ne faut pas juger du premier regard. Tant que tu n'as pas de preuves solides, il ne faut pas juger. Il ne faut même pas. C'est-à-dire qu'il faut suivre seulement, il faut regarder pour voir. On ne regarde pas les choses parce qu'il faut regarder. On regarde les choses dans le sens de chercher à savoir pourquoi la personne fait comme ça. Ah, aujourd'hui là, quand une personne se présente devant vous et fait un symbole occulte, par exemple, ferme un œil là. Ne dites pas que ah, cette personne s'est trompée pour faire ça. Aujourd'hui là, l'homme ne se trompe plus. Oh. C'est rare sont ceux qui se trompent. Tu peux te tromper pour représenter, par exemple, le compte du diable avec tes mains, tes deux doigts. Ça peut arriver. Mais quand quelqu'un fait ça une fois, fait ça deux fois, trois fois, est-ce que la personne se trompe? Non. Je suis allé en profondeur pour voir ce qui se passe. Et voici que hier Dieu m'a ouvert les yeux et je suis tombé sur un clip. C'est-à-dire tellement ils ont du succès là. Ils ont décidé de faire quoi? Faire sortir une chanson, un clip. Et dans ce clip là, on retrouvait quoi? Deux choses. Quelles sont ces choses là? L'argent et le sexe. Dieu merci, il n'y a pas de drogue dedans. Dieu merci, il n'y a pas de drogue. Sinon, ces trois choses ne manquent pas dans les clips aujourd'hui. Sexe, drogue, argent. Sexe, drogue, argent. Quand on dit sexe là, ça veut dire que dans le clip là, vous allez la voir. Hein, elle sera pour commencer en slip. Et ils vont commencer à monter ces parties intimes dans le clip avec insistance. Vous savez de quoi on parle. Et quand j'ai vu ça, j'étais étonné. J'étais dépassé parce que je voyais. J'ai dit, mais des personnes comme ça que j'aime là. Cette famille que j'aime, ils ont même des enfants. Cette famille que j'ai aimée, je me suis dit que ah, c'est bien, la réaction même de son mari est parfois très intéressante. Mais regardez ce qu'ils sont en train de faire.
Ah, qu'est-ce que c'est? Ils avaient maintenant, ils prenaient de l'argent. Ils prenaient de l'argent qu'ils jetaient maintenant comme ça. Ils jetaient des billets de banque en l'air. Et cette femme-là, elle remuait maintenant ses fesses comme ça. Exactement comme dans les films, dans les clips modernes. Il dit, wouh! Jésus! Mais où suis-je? C'est en ce moment-là que j'ai compris que ce qu'ils faisaient au départ là, où ils exposaient, c'était un truc genre, me rappeler les ancêtres là, c'était pour me préparer à ce qu'ils allaient faire sortir comme clip. C'était comme un signe pour nous dire que attention, ce qui arrive là, ça sera grave. Voici notre vrai état d'âme. Nous ne sommes pas de bonnes personnes à suivre. Mon Dieu! Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais toi, tu as des enfants. Quand tes enfants vont voir ça là, quelle serait leur réaction? Ça veut dire que tu vas convaincre tes enfants que c'est une bonne chose. Que se mettre nu comme ça, c'est une bonne chose. Exposer sa nudité pour avoir du succès là, c'est une bonne chose. Mais en faisant ça là, qu'est-ce que tu étais de faire? Tu étais d'adorer le diable parce que c'est ce que le diable veut. C'est comme si tu devenais un agent de Satan. Est-ce que vous comprenez? Et quand j'ai vu ça, j'ai compris que dans la vie là, faut pas être fan de quelqu'un. Faut pas être fanatique de quelqu'un. Parce que si tu aimes quelqu'un là, un jour tu seras dessus quand tu vas voir un tel truc, quand tu vas voir une telle chose. Tu seras dessus. En tout cas, moi, j'ai été choqué. Est-ce que je dois continuer à aimer ces gens-là, cette personne? Ah, une partie de mon cœur est déjà séduite. J'aime cette personne déjà. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que vous avez un conseil à me donner? Réagissez dans la partie commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Waouh, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est vous qui allez réagir. Réagissez dans la partie commentaire et dites-nous ce que vous en pensez. Merci à tous ceux qui feront des dons. Merci à tous ceux qui vont s'abonner. Abonnez-vous même si ce n'est pas encore fait. Et ne manquez pas nos prochaines vidéos sur notre réponse. A bientôt pour la prochaine vidéo. Que l'Éternel vous bénisse et que vous garde. Jésus.